Résumé au cœur de la ville, épisode 7. L'épisode 7 s'ouvre sur le père de Derin qui quitte le gymnase. Il croise Ali en sortant. La scène est épique. Il croise Ali, Ali rentre. La scène est mise au ralenti. Le père de Derin sort, Ali entre et il dit au champion de boxe, un homme intéressant. Céline lui répond, c'est un homme très dangereux. Derin est dans la voiture avec son père. Son père lui demande comment est-ce qu'il a connu Ali. Derin lui répond, nulle part. Le père insiste, il veut savoir. Derin dit à son père que c'est pas tellement important. Sur le chemin de retour, ils vont voir Asli. Le père de Derin va s'arrêter un instant parce que Derin veut parler à Asli. Derin dit à Asli qu'elles se verront après. Céline et Ali sont au gymnase. Ils parlent des faits qui se sont déroulés précédemment. Céline dit à Ali de ne plus voir Derin. On entend une voix dire « Alors comme ça, Tekin a retrouvé Derin ?» Les deux hommes se retournent. Cette personne dit « Salut !» Céline dit à Ali « Vous vous connaissez ?» Ali ne semble pas connaître cette personne, mais va tenter de manière hésitante. « C'est Asli, c'est ça ?» Asli lui répond « Tout à fait. Elle lui dit qu'elle est l'amie de Derin. Ali lui dit, enchantée de vous connaître. Asli leur dit, comment est-ce qu'elles vont faire? Elles viennent juste de prendre un appartement dans les parages avec Derin. Asli qui portait ses courses dans ses bras, Ali va lui proposer de l'aider avec ses courses. Ensuite, Asli et Ali vont partir. Céline les regardera partir. Raouf est à l'hôpital. Pendant que le médecin donne une nouvelle démarche pour traiter sa maladie, Raouf reçoit un appel de Céline. Raouf dit à Céline qu'il a été autorisé à quitter l'hôpital. Le médecin qui était là devant lui ne sera pas d'accord avec cette décision. Il va dire à Raouf de ne pas quitter l'hôpital. Son traitement est toujours en cours. Le médecin insiste. Mais Raouf n'est pas d'accord avec cette décision. Il dit au médecin qu'il a des affaires à régler, mais il reviendra. Pendant ce temps, Yigit se dirige à l'adresse qu'il a reçue de la part de Derin. Il arrive en voiture accompagné de son ami. Il descend de la voiture. Il se dirige vers la maison. Et surprise, qui envoie le monsieur qui avait agressé Ali dans les épisodes précédents. Le monsieur, il est fâché. Il va frapper Yigit. Ensuite, la police va arriver. L'ami de Yigit va conseiller à Yigit de porter plainte, mais Yigit va refuser. Yigit a son plan en tête. Il veut faire porter ce chapeau à Ali. Derin et son père viennent d'arriver à leur domicile. Elle embrasse sa mère et dit à sa mère qu'elle est venue juste récupérer quelques affaires et qu'elle s'en ira. Elle dit à sa mère qu'elle loue une maison avec Asli. Elle s'en va dans sa chambre et sa mère la suit derrière. Le père de Derin dit à son garde du corps que Céline veut se servir de Derin pour l'atteindre. En fait, c'est ce qu'il pense. Pendant ce temps, la mère de Derin et Derin sont dans sa chambre. Derin fait ses valises. Sa mère lui dit de ne pas faire ses valises, de ne pas partir. Elles doivent avoir une discussion. Elles sortent de la chambre. Derin dit
à leur dame de maison qu'elle mette ses valises dans sa voiture. Son père arrive au même moment et lui dit qu'elle ne sortira pas de cette maison. Son père lui dit aussi, si tu sors de cette maison, je mettrai ton ami en prison. Derine dit à son père qu'il est mauvais, que c'est un homme méchant. Son père ne supporte pas les reproches de Derine et va lui gifler. Il prend le téléphone de Derine en main, il le jette par terre. Il le jette par terre et lui dit qu'elle ne sortira plus jamais de cette maison. La mère de Derine reproche à son mari ce tel comportement à l'égard de leur fille. Elle lui dit qu'il risque de perdre sa confiance à jamais. Tekid lui dit que Derine était avec Seyim. Un flash est montré. Dans le flash, on montre la mère de Derine dire au père de Derine qu'elle couvrira tous ses meurtres. Si vous vous souvenez, le père de Derine avait tué son propre père et ses beaux-parents. Et la suite des événements, c'est la mère de Derine qui va trouver le scénario. Elle va dire à son mari, je vais couvrir tes meurtres et on les mettra sur le dos de Céline. La mère de Derine revient à la réalité. Le père de Derine lui dit qu'il pense que Céline n'était pas au courant que Derine était sa fille avant qu'il ne le lui dise. Mais il trouve quand même la coïncidence très frappante. La mère de Derine se dirige vers la porte. Son mari lui demande où va-t-elle. Elle répond que Derine doit savoir que c'est Céline qui a tué son grand-père. Tekin lui dit de ne pas s'y prendre de cette façon, mais il trouvera un autre moyen de le faire taire. Il l'enverra en prison. Ainsi, eux seront tranquilles. Dans les couloirs de l'hôpital, Céline et Raouf marchent, ils sont en pleine discussion de la situation actuelle du père de Derine. Ils disent qu'ils pensent éloigner Derine d'Ali, ce serait mieux. Mais ils disent qu'ils pensent éloigner Derine d'Ali, ce serait mieux. Ali, de son côté, il a vu une affiche. Il est intéressé par les gains qui sont proposés s'il venait à gagner. Pendant ce temps, Derine est toujours enfermée chez elle. Ses parents ont pris son téléphone. Ali va courir. Il s'entraîne pour son combat. Il pense à Derine pendant qu'il court. Ensuite, il appelle, mais les parents de Derine ont confisqué son téléphone. Ils vont rejeter cet appel. De retour au gymnase, Raouf et Céine trouvent le petit garçon, mais Ali n'est pas là. Ils demandent au petit garçon où se trouve Ali. Mais le petit garçon ne va rien dire, car il avait promis à Ali de garder son secret. Mais le champion de boxe va comprendre. Il sait Ali va monter sur le ring. Ça y est, c'est le jour J. Ali se bat contre un adversaire sérieux. Le combat, il est fort, mais il va gagner le combat à la fin. Il a gagné 50 000 livres. Raouf est content, mais Céine n'est pas emballée. La nuit tombe, les parents de Derine sont à table. De l'autre côté, Asli, le petit garçon qui s'appelle Vessel, sa mère, qui est pompier, sont à table en train de dîner aussi. Asli apprécie ce moment car petit à petit, ça commence à ressembler à une vraie famille. Asli décide d'appeler Derine chez elle. Mais elle tombe sur la dame de maison du domicile de Derine. Les parents de Derine vont dire à la dame de maison de dire à Asli que Derine est sortie avec ses parents. Asli dit
à vaisselle au petit garçon et à sa mère que la réponse de la dame de maison est fausse. Asli sait que Derine est là, que ses parents l'ont enfermée à domicile. De retour au domicile de Seyin. Malgré la victoire d'Ali, Seyin fait toujours la tête. Il dit à Ali, malgré ta victoire, il n'était pas prêt pour ce combat. Ali lui remet son argent gagné, les 5000 livres. Seyin refuse. Ensuite, Ali dépose les 5000 livres et sort de la pièce. Raouf s'approche et dit à Seyin de ne pas compliquer la situation. L'épisode 7 s'arrête là, sur Seyin assis en train de regarder ses gants de boxe de couleur rouge.